Gagnoa. Histoire et signification de Gagnoa. Histoire et signification de Gagnoa. Bienvenue sur Ivorywood 225. Ici, on parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire, mais également dans les autres pays d'Afrique. Cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos également. Big, big shout out à Achean sur Instagram qui nous fait ses magnifiques articles sur aussi la culture en Côte d'Ivoire, mais également les langues maternelles et les ethnies en Côte d'Ivoire et aussi dans les autres pays d'Afrique. Abonnez-vous aussi sur le compte ou la page Instagram d'Achean pour avoir tous les articles en écrit et également pour avoir quelque chose d'autre que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Mais en attendant, on va commencer avec Gagnoa, la ville de Gagnoa. Gagnoa est la capitale de la région du Go, située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Gagnoa est la 7e plus grande ville du pays et une ville importante de la boucle du cacao. Le nom Gagnoa est une déformation coloniale de Goya, qui veut dire descendant du fromager. Donc les éléments de Gagnoa, les bêtés de Gagnoa, si vous regardez cette vidéo, comment on dit ça? Corrigez ma prononciation s'il vous plaît. Goya, Goya, qui veut dire descendant du fromager. Go, fromager, que les bêtés appellent Gogbe, village des vieillards. Allusion que le fromager est le lieu des jugements. Zigle, où les sages donnaient des verdicts durant une assemblée Ziglega. Donc, Gagnoa est une déformation coloniale du mot ou du nom Goya, qui veut dire descendant du fromager. Go, qui est le fromager, ce que les bêtés appellent Gogbe, qui veut dire village des vieillards. Donc, il faisait allusion à ce fromager-là qui représentait le lieu de jugement, le lieu des ziglés, comme le tribunal où les sages donnaient les verdicts devant la ziglega, qui est l'assemblée. Et vous savez, c'est pertinent parce que dans nos traditions, avant, comme on le dit, il n'y avait pas vraiment de police. Donc, la police, c'était nous-mêmes, les habitants du village. On se polissait entre nous, si on veut le dire. Et puis, le tribunal, c'était les sages du village. Allons-y, on continue. Gagnoa est l'un des fiefs du peuple bété. Et let's go, les éléments, les bétés, la mif. Les bétés dont la nourriture préférée est le riz. Vous allez voir tout à l'heure les légendes bétées. La commune de Gagnoa est limitée au sud par la ville de Lakota, au nord par celle d'Oumé et à l'ouest par celle de Soubré. La ville de Gagnoa était autrefois un poste militaire créé en 1912, avant de devenir très vite un centre administratif et commercial. Aujourd'hui, Gagnoa, la ville, n'a cessé d'être un foyer de fixation pour les populations migrantes venues des autres régions du pays et des pays limitrophes à cause de son environnement marchand propice. Elle est devenue commune de plein exercice par la loi numéro 7807 du 9 janvier 1978. La région de Gagnoa comporte 4 saisons. La grande saison des pluies, compliquée par des intersaisons et marquée par des orages d'avril à mi-juin. Petite saison sèche, mi-juillet, mi-septembre. Petite saison des pluies, mi-septembre à novembre. Et grande saison sèche, décembre à mars. Liste des maires successifs. 1985, François Dakoury Tablé. 1990, Alassane Salif Ndiaye. 1995, Arsène Sibahi. 2001, Roger Nyoité. 2013, Meji Bamba. 2018, Issouf Diabaté. Éducation. Le département de Gagnoa compte 230 écoles primaires, 12 établissements secondaires, un établissement secondaire technique et une école supérieure. Enseignement primaire public, on a l'EPP application. Enseignement secondaire, lycée public, on a le lycée moderne 1, lycée moderne 2, lycée moderne 3 et le lycée professionnel. Enseignement professionnel, on a le CAFOP. Les langues à Gagnoa. La langue vernaculaire de la région est le bété. Mais dans la plupart des échanges, le français, le français est la langue officielle de la Côte d'Ivoire utilisée. De nombreuses personnes s'expriment également dans la langue véhiculaire qui est le djula. Les djuls, ouais, partout n'est pas partout. Donc, à Gagnoa, on a le bété comme première langue, ensuite le français, bien sûr, et aussi le djula. Personnalités liées à la région. Donc, voici les personnalités, les légendes de Gagnoa. Son Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, ex-président de la République de 2000 à 2011, originaire du village de Mama. Charles Blé Goudé, ex-homme politique, originaire du village de Po. Bon,
Et le moment moins tic, je sais que tu as mis ex homme politique, mais est-ce que le vieux Baba Blé Goudeli est ex homme politique? C'est bien sûr, on va voir. Let's see. Que Dieu donne longue vie à tous. By the way, si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, famille, que Dieu te donne longue vie, santé, vraiment beaucoup de courage dans toutes tes entreprises et dans tout ce que tu fais au quotidien. Que ce soit ta carrière, que tu sois en business, même si tu es un étudiant, beaucoup, beaucoup de courage. Vraiment, vraiment force à toi qui regarde cette vidéo. Et merci de nous suivre. Merci d'être ici avec nous. On continue. Didier Drogba, vient Moro d'Aïzoko, footballeur originaire du village de Niaprayo. Michel Goba, né en 1961, footballeur international ivoirien, né à Gagnoa. Michel Goba. Serge Aurier, footballeur originaire du village de Ouaragayo. Ou Ouaragayo. Mais nous on dit Ragayo. Ragayo. Originaire de Ragayo, Serge Aurier. Gadji Seli, footballeur, chanteur originaire de Gadoukou. Yodé, chanteur. Viens moi, Yodé de Yodé Siro, le groupe Yodé Siro. Légendaire groupe Zouglou ivoirien. Légendaire Michel Gou, comédien originaire du village de Djatenoa. Maurice Kakou Kikawe, homme politique. Meji Bamba, homme politique et maire de Gagnoa. Abel Christian Djouri, homme politique, député de la circonscription de Ragayo Bayota. Victor Capri Djedje, homme politique. Kader Keita, footballeur. Karis, rappeur originaire du village de Zebizekou. La popizan. La popizan. Avec aussi Karis, originaire de Zebizekou. Didier Otokoré, footballeur. Jenny Kobina, homme politique. Guillaume Kofi, architecte. Claudia Tagbo, comédienne. Ah ouais, la Claudia. Claudia de Jamel Comedy Club. Ça, je ne savais pas. Claudia Tagbo. Actually, je pense que j'avais déjà entendu ça dans une de ses vidéos. Mais bon, bref. Claudia Tagbo. Il savait qu'elle était ivoirienne, bien sûr. Hein. Bien sûr, ça, je savais déjà. Claudia Tagbo. Shout out to Claudia Tagbo. Sébastien Djedje Dano, homme politique. Bernard Douabou, Ninia, préfet du département de Grand Bassam. Mariam Koulibaly, animatrice de la télé ivoirienne. La maman de la télé. Mariam Koulibaly. Kragbe Nyagbe, homme politique. Jean-Baptiste Nyaoré, président du conseil général de Gagnoa. Louis-André Dakoury Tablé, un des fondateurs du Front Populaire et ancien ministre de la Solidarité. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu racontes ici? Louis-André Dakoury Tablé, un des fondateurs du Front Populaire et ancien ministre de la Solidarité des victimes de guerre, originaire de Papekou. Richard Dakoury, basketteur originaire de Papekou. Monseigneur Paul Dakoury Tablé, évêque et grand bassam, originaire de Papekou. Dagui Bakari, footballeur. Carlos Dadi, homme politique. VG Dream, le beau des beaux. Ça, c'est le beau des beaux. Artiste de hip-hop et rap français, originaire de Gagnoa. Zon Camara, homme politique. Laurent Zawi, 1960-2021, joueur de football ivoirien. Issouf Diabaté, homme politique et nouveau maire de Gagnoa. Zagol Alain Durand, homme politique. John Kiffy, artiste chanteur. Viens moi, John Kiffy. Concepteur de la Zézé Pop. Cyril Domoro, ancien footballeur. Big shout out, Capi, Cyril Domoro. Zoro Mag, originaire, ancien footballeur ivoirien. Originaire de Papekou. Big shout out, Zoro Mag. Very, very big shout out. Basil Boli, la légende. Ancien footballeur international français. Français qui joue en France, ou bien. C'est ça, non? Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Roger Boli, ancien footballeur international français. Les légendes. Ah ouais, en tout cas, Gagnoa, vous avez les légendes. En tant même. Assez de légendes à Gagnoa. Donc, histoire et origine, signification de Gagnoa. Shout out to la famille de Gagnoa. Shout out à vous tous, les éléments de Gagnoa, les BT de Gagnoa, les Jula de Gagnoa, toute la population de Gagnoa. Big shout out à vous. Cette vidéo vous a été présentée par iVollywood 225. N'oubliez pas de vous abonner. Ici, on parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire, mais également dans les autres pays d'Afrique. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Achien sur Instagram pour avoir ce magnifique article. Et Achien a aussi des t-shirts, man. Je suis fier d'être ivoirien. I am proud to be ivoirien. Donc, si vous voulez un t-shirt, écrivez en commentaire, je souhaite avoir mon t-shirt. Ou écrivez directement à Achien sur Instagram qui va s'occuper de vous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de vous abonner sur iBollywood 225. Et on sera à la prochaine, la famille. Ciao, ciao. You're listening to...